une nouvelle époustouflante, formidable. Et c'est vrai qu'on est heureux collectivement de pouvoir porter une telle réussite. Moi, je veux d'abord adresser mes voeux au patient, bien sûr, qui va bien, semble-t-il, mais lui souhaiter le meilleur. Et puis adresser mes félicitations chaleureuses à l'équipe qui a permis cette première mondiale, au professeur Carpentier qui a inventé la prothèse cardiaque, et puis à l'équipe du professeur Fabiani qui a opéré. Je trouve que c'est une nouvelle qui apporte une grande fierté à la France, qui montre qu'elle est pionnière en matière de santé, qui montre qu'on peut inventer, porter une innovation qui, dans le même temps, ouvre un formidable espoir, bien sûr, à des tas de personnes qui sont ou seront malades.